Salut tout le monde, je m'appelle Steelers. Yeah! Et bienvenue dans l'épisode 46 des 10 défis Minecraft. Cette fois-ci, je suis moins fatigué, ça devait être moins pire. Vous vous demandez peut-être pourquoi je porte ce chandail de sergent tuto. Justement, je me demandais pourquoi que t'avais chandail, sale fils de pute. Qu'est-ce que tu fous ici, toi, merde? Bah, on parle de moi, donc... Je crois que je peux venir, j'ai le droit, non? De toute façon, tu portes mon chandail, petit connard. Je te signale que t'es un personnage et que c'est moi, donc... Donc désolé, sergent, mais c'est pas vraiment ta place ici. Donc toi, c'est pour des tutoriels très basiques, de la vulgarisation, les 10 défis Minecraft, c'est pas vrai. Donc, en fait, je crois même que les gens ne pourraient pas réellement t'endurer pendant 30 minutes. C'est dommage, mais voilà, je suis désolé. Donc maintenant, full camp, s'il te plaît. What? Les gens pourraient pas me supporter pendant 30 minutes, tu dis. C'est vrai ce qu'il dit, ce petit connard? Vous pourriez pas supporter Sergent pendant 30 minutes? Vous pouvez bien être des petits mollusques. Allez, moi je fous le camp ici, putain, je suis pas le bienvenu. Allez. D'accord, petite bulle. Je me suis dit pourquoi pas incruster Sergent Tuto dans cette petite vidéo. Mais non, pas obligé de répondre. Je sais que vous ne vous enduriez pas Sergent pendant 30 minutes. Mais même moi, je serais incapable d'endurer Sergent pendant 30 minutes. Ça serait beaucoup trop. C'est déjà assez un petit tutoriel. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Alors, on était dans notre petite maison, ça lag un peu, mais vous m'avez demandé de 1, mettre la souris. Ah, parce que ça fait longtemps que vous me demandez de mettre des souris dans le menu, et j'oubliais toujours, même dans les jeux comme Subnautica, on ne sait pas trop à quel endroit que je glisse la souris, mais cette fois-ci, j'y ai pensé, et vous avez été plusieurs à me dire « Pourquoi que t'as pas mis le pack 3D ?» Eh bien, le voici, il est mis, et toujours avec le petit shader. Merde, c'est incroyable à quel point que Minecraft c'est tellement pas optimisé. Merde, c'est super beau, les shaders sont... Et pourtant ça lag tellement. J'espère que la 1.9, l'intégration des shaders va faire en sorte... En fait, le jeu ne sera pas nécessairement plus optimisé, donc en bout de ligne, ça change pas grand chose. J'ai reçu aussi un commentaire d'un mec qui me disait « Mais pourquoi tu utilises pas les rails ici ?» Donc, ouais, d'accord, il faudrait peut-être que je les utilise. Et là, je me suis rendu compte en faisant mon inventaire que je commençais à manquer un peu de stock, un peu de coil. Je crois que du diamant aussi, si je pourrais peut-être en trouver, parce que j'ai plus le temps de faire des lives pour aller justement récolter du diamant. Donc je crois que je vais devoir le faire au pire durant une ou deux épisodes et couper pour des trucs de tunnel et tout. De toute manière, dans les 10 défis, on discute, on dit plein de choses. Sauf que là, en fait, il faudrait peut-être que j'avance pour pouvoir terminer éventuellement mes défis. Donc, j'avais quand même été ramasser quelques blazes. Malheureusement, ça n'avait pas été une très bonne chasse de ce côté. Et je vais devoir justement rapidement réparer mes armes et tout. Donc, on va passer ici par le tunnel. Voilà. Vlan. J'ai toujours tellement peur, en fait, que... What? Ok, d'accord. J'ai toujours tellement peur que je m'éclate la gueule et que je crève. Ça serait tellement une des manières les plus losers de crever dans cet épisode, voilà. Donc, oui, en fait, je pourrais utiliser mes minecarts. Hein? Ils sont là pour quelque chose et je les utilise même pas. Voilà. Et on voit que le shader, en fait, il pète un plomb avec l'épée. L'espèce d'effet de flou qui est un peu barbare. Voilà, super. Merci. Et en fait, pour l'utiliser, il aurait fallu que une fois... Que je suis ici. J'aurais dû faire un système de redstone beaucoup plus complexe, mais ça prendrait beaucoup trop de temps. C'est que si, par exemple, il détecte qu'ici, il n'y a aucun carte, quand j'arrive, en fait, il l'amène ailleurs. Ou si, par exemple, il n'y a rien, eh bien, il va le détecter, quand je vais sortir, il va réenvoyer le carte à cet endroit. Ou sinon, j'aurais pu mettre aussi un rail spécial qui fait en sorte que quand j'arrive dessus, pouf! Il me lâche et voilà, bam, il monte en haut. Le seul problème, c'est que... malgré que je pourrais l'activer avec un petit bouton, comme ça, si j'irais dans ce sens, normalement, il va appuyer sur le bouton après et il va pas me propulser. Il y aurait peut-être moyen d'améliorer le système
avec justement le petit rail qui nous fait sortir. Mais bon, là, on va aller voir notre chat. On va vérifier s'il n'y a pas de creeper. Merveilleux. Oh, il y a un petit squelette au bout. Dieu sait que j'adore les... D'ailleurs, je trouve ça très cool parce que vous m'envoyez des fan art. J'ai un peu plus de difficultés, comme je dis, avec mon boulot et tout. Je peux pas vraiment trop être à jour. Si vous voulez, vous pouvez aussi envoyer vos fan art directement sur Facebook. Il y a une section, en fait, pour vous. Vous pouvez écrire ou répondre carrément dans les commentaires. Comme ça, ça devient public. Et je trouve ça quand même plutôt chouette. Eh bien, ce chant n'est pas du tout prêt. Et je crois que le shader... ouais, d'accord. On a carrément un bug. On s'entend que ça s'étire... beaucoup trop, putain! C'était pas comme ça avant. Non, définitivement pas. C'est réellement un bug. Ou sinon, c'est le truc 3D, en fait, qui fait en sorte que ça chie. Je crois, en fait, que c'est le truc de 3D qui fait ça, parce que le pack 3D, en fait, vient ajouter une animation à l'herbe, et je crois que ça ajoutait aussi une animation à eux, et ça fait pas bon ménage, les deux ensemble. Non, je suis convaincu, en fait, que c'est ça, le problème. Il y a une animation, et les deux ne s'aiment pas du tout. Mais bon, voilà. Du steak, ça, j'en ai assez pour manger, ça, c'est cool. Bah, je pourrais peut-être me faire un petit ménage, mais je crois qu'avant... Je trouve plus de grottes, merde. Je crois que je vais carrément m'en creuser une juste ici, et on pourrait peut-être se faire une petite porte. Il y a toujours des putains de tunnels un peu partout. En fait, je devrais utiliser le bon outil. Voilà, pour ça, ça va aller beaucoup mieux. Voilà! Donc, on va en avoir un directement sous la maison. Ça va probablement régler le truc. Génial. Est-ce que j'ai des torches? Il faudrait peut-être... Ah, je vais aller me faire des torches avant. Et après, on va revenir à la construction de notre tunnel pour en avoir un peu plus. J'ai écouté hier le film Mad Max. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Mais le film est tellement bizarre, en fait, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup... Voilà. j'aime beaucoup, en fait, le fait que ça soit dans le désert, que ce soit très post-apocalyptique. Ça, c'est très nice. Ah oui, c'est vrai. Il remonte tout seul, en fait, une fois que je vais dans un. C'est vrai, c'est très nice. Bon, voilà, on va remonter. Et sauf que le truc, en fait, j'ai pas vu les vieux Mad Max, mais je sais que les vieux Mad Max, en fait, mettent l'emphase sur Mad Max. Et j'avais vu, en fait, le fossoyeur de film qui en avait parlé, comme quoi que l'emphase était pas réellement fait sur Max, mais plutôt sur les femmes dans le film. Et ça, c'est vrai, en fait, tout le film est beaucoup axé sur elles. Et je trouve ça quand même plutôt chouette parce que ça met vraiment une puissance justement à la gente féminine, comme quoi ils veulent se sauver. Bon, ça vaut le coup en fait de voir le film, mais je trouve qu'il y a un aspect quand même plutôt intéressant parce qu'il y a des moments, c'est accéléré, comme dans les vieux films en noir et blanc dans les années 40, et des fois tu fais comme, ok, est-ce que c'est le film qui bug? Mais en fait, non, c'est vraiment, il y a vraiment des séquences en accéléré dans le film, et ça rend quand même un peu bizarre, c'est quand même assez spécial. Il y a des décors qui sont des fois hallucinants, il y a des plans de caméra très chouettes. Ici, on regarde le making-of, il y a énormément de cascades, je vous dirais, il y a des effets faits à l'ordinateur, mais il y a beaucoup d'effets que je croyait qu'il était fait à l'ordinateur, et après, quand on regarde le making-of, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Et ça, honnêtement, je respecte. C'est très chouette. Et je me rappelle, en fait, que le producteur en avait parlé, justement, qu'il avait dit qu'il voulait particulièrement faire beaucoup de cascades réelles. Et ça aussi, c'est une chose qui est très chouette, parce que dans l'industrie du film, ils sont de plus en plus, on dirait... Je sais pas comment dire, on dirait que c'est un peu comme le jeu vidéo. Des fois, quand la technologie te le permet, on dirait que tout le monde saute sur l'occasion. Quand, par exemple, la 3D est arrivée, il y a des jeux qui étaient tellement bons en 2D qui ont été complètement détruits en les transformant en 3D. Et là, c'était, on s'arrachait tout. Et regardez aujourd'hui, ils sont capables de faire des jeux très réalistes, mais les jeux 8 bits avec les beaux graphiques 2D et tout, c'est en train de revenir aussi à la mode.
mode. Et on dirait qu'au niveau des films, c'est ce que j'ai entendu parler dernièrement, ils sont en train de s'en tourner vers les bonnes vieilles méthodes, en fait, de carrément faire des cascades, des vraies cascades, des vrais plans et tout, faire vraiment péter toutes sortes de trucs, parce que ça rend mieux, c'est plus réaliste au niveau de la caméra. Et je trouve ça très très chouette, parce que parfois il y a des films qui abusent beaucoup trop. Honnêtement, je crois que je vais me faire aussi une pioche en métal, pourquoi pas, qui abuse beaucoup trop des effets visuels 3D, et honnêtement, ça m'énerve, comme par exemple Fast and Furious, oui, Furious 7, qu'il y a beaucoup trop de séquences à l'ordinateur, des fois ça vient même gâcher le truc. Il faut pas abuser des bonnes choses, merde. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah, une pioche! Voilà, super. Il faut pas abuser des bonnes choses, et parfois les films en mettent beaucoup trop, merde, et je trouve ça bien dommage. Mais là, vu que c'est en train de revenir lentement, pas vite, avec des effets à la main, respect! Respect! Pour l'industrie du cinéma. Ah, bon, voilà. Donc ça, c'est fait. Je me suis fait des pioches au lieu de démolir ma pioche en diamant. Je crois que je vais prendre, quelques pioches. Au pire, je vais finir avec des pioches en diamant. Ça va régler le problème. Super, super, super. Donc, voilà. On va retourner tout simplement à notre truc. Yeehaw! Plouch! Génial. OK, voilà. Ah! Oh, putain! Je voulais vous parler aussi d'un truc complètement hallucinant. Attends, je vais voir le... Oh, mais c'est cool! Hey, ça va quand même plutôt bien! Je sais pas pourquoi que j'utilisais jamais mon système. C'est chiant. Et voilà! Super! Et en fait, on va le ramener à sa place après. Bon, c'est l'espèce de petite étape finale que j'aurais pu compléter avec, comme j'ai dit, un système de réseau plus complexe qui aurait pu être plus badass. Mais bon, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça fonctionne! Ben voilà! Alors, on va continuer notre gentil piochage. Super, et j'espère honnêtement tomber sur une putain de grotte. Il n'y a rien de plus chiant que de chercher une grotte et de tomber sur du putain de vent. Ça, c'est chiant. Bon, et voilà, donc, ce que je voulais vous dire... On parlait de quoi exactement, déjà? Le Game of... je vais dire encore Game of Thrones. Putain de merde. Le Throne of Gamer de Wiz Gamer. En fait, j'étais sûr que c'était en fin de mois que ça allait sortir. Bon, OK, on est en fin de mois, d'accord. Et il y a des abonnés qui m'ont dit, bah, c'est parce que t'es passé dans Wiz Gamer. Et là, je m'empresse d'aller voir sur YouTube. Je vais voir. Et, what? Je suis passé dans le putain Wiz Gamer. Oh my God. Et en plus, j'étais en deuxième position. C'est incroyable. Vous avez ultra voté pour moi. C'est ultra apprécié. Vous êtes des putains d'amour. Merde! Ah. Et pour l'instant, en fait, je vois qu'il y a une petite augmentation au niveau de ma chaîne. Mais j'ai l'impression qu'ils ont, en quelque sorte, je suis extrêmement, extrêmement heureux d'avoir passé dans le Wiz Gamer, je vous le dis. Mais j'ai l'impression qu'ils m'ont un peu mal présenté. Parce que, et je suis pas le seul non plus, bon, j'ai bien aimé le côté qu'ils m'ont comparé avec... avec Antoine Daniel à cause de ma coupe de cheveux dans mon vidéo sur Plug and Play, l'espèce de jeu ultra bizarre. Mais le mec a dit rapidement, en fait, que j'avais fait un buzz avec mes passages secrets Minecraft, et que je faisais de l'animation Minecraft. Et il a montré une animation Minecraft que j'ai fait. J'ai juste deux animations de Minecraft que j'ai réalisées. Il y a des gens qui me demandent pourquoi j'en fais pas d'autres. C'est qu'avec mon travail et le fait que je dois faire YouTube, ça demande beaucoup, 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 beaucoup de temps réaliser une animation. Donc, j'ai pas vraiment, honnêtement, le temps de faire des animes et tout. Donc, je vais en faire d'autres éventuellement, donc parce que j'adore faire ça. Mais je vais plutôt me concentrer sur mes vidéos YouTube. Et là, ben, en fait, ça fait en sorte que les gens qui vont voir ma chaîne, ben, ils croient que je fais de l'animation Minecraft. Donc, j'aurais aimé qu'il me présente, en fait, et qu'il fasse comme tous les autres, qu'il montre une séquence de moi dans une de mes vidéos, Subnautica, Minecraft, Besiege, peu importe, pour que les gens comprennent que, ah, putain, il fait de l'animation et tout, mais il fait du multigaming, en fait, le mec. Donc, ça aurait peut-être été un peu plus efficace, parce que je crois que les gens vont être un peu déçus. Ah, putain, il fait des animations! Ben non, merde, il fait pas d'animation. Et pour les gens que ça intéresse pas, en fait, je sais pas. Mais quand même, pour l'instant, ça fonctionne. Ça m'a donné quand même un petit coup de pouce. Ça, c'est très,
très apprécié. Il y a aussi de Campanard. Le mec que j'avais présenté dans mes deux coups de cœur vidéo. Donc, il y avait Post Process que j'avais présenté et Campanard, je me rappelle bien en fait. C'est le mec qui fait des... il parle de films en fait, toujours on pourrait dire en négatif, des films qu'il n'a pas nécessairement très aimé. Mais j'aime tellement le langage et la manière qu'il écrit ses vidéos. Et en plus, ça fait un bon moment qu'ils sont actifs et ils ont vraiment pas beaucoup d'abonnés. Et pour la qualité des épisodes qu'ils font, honnêtement, ça vient carrément prouver que c'est extrêmement difficile de percer sur YouTube. Ça prend beaucoup de persévérance. Donc, même avec une belle idée de vidéo et un bon contenu, c'est super chiant pareil. Donc, je vous avais fait des coups de cœur. Étrangement, j'ai eu quand même beaucoup de dislikes sur cette vidéo. Donc, je sais pas, peut-être les gens qui voulaient me faire comprendre que eux ils aimaient pas cette chaîne. Mais j'en ai quand même rien à foutre parce que j'aime beaucoup les deux chaînes. Et je trouvais que c'était quand même très intéressant de pouvoir les présenter. Justement, parlant de présentation aussi, j'en ai parlé aussi dans le Steel Meat, si vous ne connaissez pas, en fait, allez regarder, c'est la deuxième vidéo avant celle-ci, c'est le principe d'un meeting, donc je vous parle de tout ce qui suit, tout ce qui arrive, ou presque sur ma chaîne, donc vous pouvez aller voir si vous voulez être au courant, mais je parlais... Je parlais des vidéos. Pourquoi ça craque toute seule? No fucking way. Je vais juste terminer ce que je voulais dire. Vous croyez vraiment ce que je pense que c'est? No fucking way. Pour le... vos chaînes YouTube, en fait, je vais tomber en vacances. Je vous l'apprends dès maintenant. Je vais tomber en vacances la semaine prochaine, donc dans la semaine du 24 au 28. Je ne ferai pas de vidéo sur ma chaîne, donc on va se laisser avec cette vidéo. Ça va être la dernière vidéo. Et la semaine prochaine, je vais pouvoir m'avancer sur un paquet de trucs. Comme par exemple ouvrir ma fameuse boutique que j'avais parlé, que je voulais ouvrir. Bref, je vous en parle tout dans le Steelmeat. Je vais pouvoir en fait regarder tous vos chaînes et sortir la vidéo vos chaînes Minecraft la semaine prochaine. Mais là, putain, on va découvrir. No fucking way! Oh my god! Non, ça faut pas que je l'éclate en fait. Tu... What? Il y a des gens qui dorment chez moi. Oh merde! Non! Je suis terrible. Non. Oh my fucking god! Je suis arrivé directement dans la putain de salle! Oh fuck! C'est quoi? D'accord, ça c'est une espèce de piège de lave. Oh my god, tu déconnes! J'avais ça depuis... Ah! Fuck! J'avais ça depuis le début, juste en dessous de ma putain de maison. Oh my god! Oh fuck! Ok, non. Shit. J'espère honnêtement que je vais pas crever dans cette putain d'épisode tué par ces espèces de gros connards. Et là en plus, il y a de la lave. Oh my god! Ok, donc je vais éclater ça ici. Allez. En fait, je croyais que c'était des je me rappelle plus de leur nom, putain, mais on s'en bat des steaks. Oh. D'accord. Bon. Qu'est-ce que je fous maintenant? Ok, donc en fait, je vais prendre ça ici. Oh putain! Voilà. Donc on descend un bon coup. Excellent. Ici, on va se faire. Voilà. Ah, salut, petite merde! Non, je vais te défoncer la gueule. Ok, dans le fond, on s'en bat les steaks. Allez. Oh putain, il y en a tellement beaucoup, c'est incroyable. Allez. Aïe! Ah, ils font quand même pas très mal, en fait. Donc, ça passe. Allez. Et toi, je te défonce. Boum! Yeah!
Par contre, il manque beaucoup d'œils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wouh! Donc, je crois que ça prend des blazes. Je crois que c'est un... ça prend des pearls plus de la poudre de blaze pour pouvoir me faire les fameux yeux pour compléter le tout. Par contre, ça fait pas partie de mes défis d'aller buter le dragon. Mais ce serait une belle façon de mourir dans toute la splendeur de la chose, voilà. Et en plus, j'aurais voulu me mettre en snapshot, mais j'ai fait un périscope tout à l'heure live et j'ai demandé l'avis des gens. On va en profiter pour aller explorer ce putain de donjon, fuck yeah! Et en fait, je me suis dit, hey, pour les 10 défis, je pourrais peut-être me mettre en snapshot. Il y a la nouvelle snapshot qui est sortie avec les boucliers et tout le truc, sauf qu'on m'a vivement déconseillé le truc. De un, parce que... Ah, fuck, oh my god, j'ai fait le saut. Oh, je sais pas si vous avez fait le saut à la maison, mais moi, oui. Et vous m'avez vivement déconseillé, en fait, d'être en snapshot, parce que par la suite, je pourrais pas revenir à les anciennes versions. J'aurais pas pu avoir mon pack 3D, j'aurais pas pu avoir non plus mon shader, et il y a des bugs et tout, et je crois pas honnêtement qu'après 46 épisodes que j'ai envie d'avoir une version corrompue de ma map. Ça serait quand même très chiant de tout perdre. Donc, je vais attendre que la version finale sorte. What? Il y a une fontaine, putain? Aïe, aïe, aïe. Oh non, explose pas, explose pas. Ah, voilà. Yes! Oh. Putain. Donc, ça aurait été cool, par contre, d'avoir... Parce qu'il paraît que dans la nouvelle snapshot, il y a des boucliers qui sont sortis. Je vais devoir aller tester ça. Ça, c'est officiel. J'ai hâte de voir, en fait, l'allure que les boucliers ont. Ça, ce serait génial. OK. On continue s'éclairer. Donc, en fait, fuck that, je vais prendre carrément ma torche pour éclairer mon chemin. Ça fait quand même... c'est thématique. Hein? Une torche dans un donjon, c'est vraiment génial. Hell yeah. Je trouve que les donjons, par contre, bon, évidemment, ils s'en vont n'importe comment, mais ça manque un peu de contenu, ça manque de coffre et tout. Ça devrait être plus riche. Non, honnêtement, il n'y a pas vraiment grand-chose. Il y a beaucoup de monstres, mais il y a... Aïe, fuck! Ok, d'accord, ça a pas fait mal. Yeah, baby! Tu sais, il y a des espèces de petites structures comme ça, mais bon, bof, il n'y a pas... Oh, fuck yeah! Fuck yeah! Une putain de bibliothèque! Tu déconnes! J'avais tellement besoin de livres! Oh, ça va être génial pour ma table d'enchantement! Yeah! Yeah, 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 yeah! Ok, bon, évidemment, on le sait, c'est généralement toujours de la putain de merde qu'il y a dans ces coffres! Et qu'est-ce que je disais? Bordel! C'est un donjon! Je veux dire, je sais pas, il pourrait au moins donner un peu plus de trucs que des foutues pommes. Mettre au moins un stack de lingots de fer, par exemple. Déjà là, bon, ok, c'est du fer, mais c'est un stack. Mais non! Des pommes, du pain, de la merde, des foutues sels, un name tag, une fois de temps à autre. Mettez du diamant! Avec la... Ouch! Avec la nouvelle snapshot, en fait, on a les... quand on va par le dragon, et ensuite on a le nouveau monde qui s'est ajouté. Oh putain, il fait noir quand on n'a pas la torche! Wow, 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 wow. Ok, d'accord. Il y a les nouveaux... va chier, espèce de... Crève! Il y a des nouveaux donjons, en fait, après avoir buté le dragon. Et eux, ils sont vraiment payants. J'avais fait la présentation de la snapshot avec Physique Team. Et honnêtement, c'était hallucinant. Sérieusement, tout ce qu'on pouvait avoir dans les coffres, il y avait du diamant, il y avait des épées enchantées, mais enchantées. Toutes sortes d'équipements. Ils devraient avoir ça dans les coffres. Merde, ajoutez ça dans la mise à jour. Mettez des coffres plus payant dans les putains de donjons, Mojang, fuck! Regardez, il y a un coffre ici, il va rien avoir dedans. Des livres et du papier. Bon, ok, c'est vrai qu'on est dans une bibliothèque, fallait s'y attendre un peu, mais quand même, merde! Ah, c'est quand même pas grave, voilà. Par la suite aussi, je vous parlais de mes vacances tout à l'heure, je vais aussi en profiter pour pouvoir écrire, j'ai un invité spécial, ça je vous en avais parlé aussi dans le Stalemate, je vais aussi me préparer pour les prochains tutos. Je reçois encore beaucoup de questions pour savoir c'est quand en fait mes prochains tutoriels, et en fait ça va mieux avec une hache. Voilà! Quand on a le bon équipement, ça va beaucoup mieux. Ça va être quand, en fait, mes prochains tutos et tout. Donc, je vais produire le premier, je crois, tuto qui va sortir. Ben, je sais pas, en fait, mais il y en a deux qui sont prévus très bientôt. J'ai posté une photo sur Facebook. Je vais avoir une maison moderne qui va sortir
pour le prochain tuto. En fait, vous avez été plusieurs à me demander de produire une maison moderne. Donc, je suis en train de laisser mon imagination aller. Je vais vous faire quand même un bon truc. Et vu la grosseur de la maison, malgré que j'essaie de la faire petite, mais avec son design et tout, je crois que ça va être un épisode qui va être particulièrement long. Donc, j'aime pas trop si ça dure une heure et tout. Donc, j'aimerais que ça soit quand même mieux. Mais on va voir en fait combien de temps ça va durer. Et par la suite, il va y avoir le prochain passage secret qui va être en Minecraft PE. D'ailleurs, vous avez été beaucoup à me dire que « Ah, mais toi, il y a une nouvelle version dans Minecraft PE. Tu peux te mettre en snapshot et tout le truc. » J'ai un iPhone. Je peux pas mettre une installation spéciale dedans et je ne jailbreakerai pas non plus mon iPhone. Donc je suis obligé d'attendre que la version officielle sorte. Sinon je trouve que c'est beaucoup trop chiant. Je crois qu'il y a une méthode à faire qu'on peut aller chercher directement sur le site web. On s'inscrit, on a le droit d'avoir comme un truc développeur pour signaler à Mojang des bugs et ce genre de trucs, mais c'est beaucoup trop chiant. Je vais plutôt attendre que la vraie version sorte pour vous faire pour continuer avec Minecraft PE là-dessus. Mais pour le passage secret, de toute manière, beaucoup ont dit mais tu pourras pas faire de passage secret parce que y a pas de redstone. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà prévu mon passage secret pour PE édition. Je n'aurai pas besoin de redstone, poupée. Hell yeah. Oh wow! Oh my god! Un casque en métal! Oh wow! C'est incroyable! Wow! Oh putain! D'accord. Donc on va éclater ça. Donc comme je vous dis, en fait, je n'aurai pas besoin! C'est super, n'est-ce pas? Donc c'est déjà tout prévu, en fait. Alors ça va être pour tout le monde, je crois. Même pour ceux qui ont un Xbox et tout, en fait, ça va être super. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens aussi qui me disent est-ce que t'as un PS3? Est-ce que tu as un PS4, ajoute-moi, on va jouer ensemble. Même si je jouerai en ligne, je n'ajouterai pas mes abonnés sur le PS3. Je veux dire, si j'ai à jouer sur mes consoles, bon, j'en ai eu quand même beaucoup dans ma vie. Dans le meilleur moment où j'ai eu plein de consoles, j'avais tout branché, en fait, c'était super fantastique. J'avais le Super Nintendo, le GameCube, le Nintendo 64, j'avais un PlayStation 2, un Xbox 360 Elite avec un PS3. Et une Wii. Je les ai tout eu. Tout en même temps, en fait. Ça, c'était vraiment le moment où j'ai eu le plus de consoles dans ma vie. Et dans le portatif, j'avais une Nintendo DS. J'ai aussi un Game Boy Color. Ça, c'est très cool. Et j'ai eu aussi un PSP, voilà. Et j'ai eu quand même beaucoup de consoles. Donc, et après, j'ai vendu un bon paquet de trucs parce que j'avais eu quand même quelques problèmes d'argent. Oh my god, that's kill it! Mais tu t'es fait crever super vite. Génial. Tu m'as donné un truc? Non, bien sûr. À part un arc, je crois, tout pété. Et en fait, j'ai vendu un paquet de trucs. J'ai gardé le Super Nintendo. J'ai gardé mon PS3 parce que j'adore les PlayStation. Plus que Xbox. Mais là, honnêtement, entre le Xbox One et le PS4, j'hésite. J'aime beaucoup les deux consoles. J'aime leur exclusivité et ce qu'ils offrent. Donc, je suis pas vraiment vendu un ou l'autre. C'est plutôt celui qui m'offre le plus. C'est avec lui que je vais aller, tout simplement. Et donc, présentement, j'ai une PS3, mais je ne joue pas avec. Elle n'est pas non plus ici. Donc je ne joue pas en ligne avec. C'est plutôt une console que j'utilise, comme je crois beaucoup de gens, pour écouter des films, mettre des clés USB dedans et voilà. Écouter du contenu. Et parfois je joue à des jeux. Je joue à Grand Theft Auto dessus. Je joue aussi à d'autres jeux quand même plutôt cool. J'ai fait quand même le tour. J'ai joué à toutes les Uncharted qui étaient... Oh putain, qui étaient foutrement excellents, les Uncharted. Je les ai savourés. Qu'est-ce que j'ai aussi joué? En fait, j'étais... Ah, merde. Ah, bitch, tu m'as manqué. Pas manqué dans le sens que je m'ennuyais de toi, en fait. Ça, de ce côté-là, tu m'as pas manqué du tout. Oh, fuck. Ah, Spartiate! Hey! Attends, qu'est-ce qu'on a? Ah, le casque est presque... pourquoi pas? Ah, je l'ai ici. Ah, voilà. Bam! Excellent. Et bon, ok, d'accord. Alors, j'ai des...
J'ai un autre casque. Ouais, pourquoi pas. Allez, v'là! Ça donne absolument rien, mais ça me fait de la place dans mon inventaire. Génial. Et les pantalons, ça va les réparer. Ah, c'est quand même pas si mal. Red Dead Redemption aussi, j'avais l'expansion zombie, ça c'était très génial. Beaucoup de jeux de voitures que j'ai aussi, les collines McReady Dirt, Gran Turismo que j'ai adoré, un paquet de jeux, c'est super cool. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, les combats des machines aussi. Beaucoup de gens me demandent quand ça va sortir, donc probablement d'ici mi-septembre. D'ailleurs, je vais vous souhaiter une très belle rentrée à vous tous. Alors, je souhaite que du bonheur dans votre année et de la réussite. Voilà. Crève, génial. What the fuck? Elle est ouverte la porte. T'es pas obligé de la défoncer, putain. Voilà. Super. Et je crois en fait que c'est ça. Voilà. De toute façon, oh putain, l'épisode a passé ultra vite, c'est incroyable. Donc ben, c'est déjà la fin et je vais terminer en fait. J'ai parlé de tout ce que je voulais parler, c'est génial et bordel de merde, c'était tellement pas prévu. Oh, ben, c'est encore mieux, c'est encore mieux. On a trouvé un putain de donjon. On va pouvoir dans le prochain épisode continuer. La pièce dans ma maison pour mon livre d'enchantement, mais je crois que je vais même le changer de place. Je vais prévoir quelques trucs pour le prochain épisode. Ça va être chouette. Mais je voulais terminer aussi. Je regardais sur ma vidéo comment installer un shader. Beaucoup de gens ne savent pas ici les ombres et tout. Tout le monde appelle ça des texture packs. Voilà, à croire que c'est pas connu sur Internet. Mais ça s'appelle un shader. Il faut installer un shader, un mod avec Forge et tout, et j'explique comment faire. Dans les options, on va dans Shader ici, j'ai le Shielders Vibrant Shaders V1.08 Extreme avec mon super accent anglais tout pourri. Et il y a beaucoup de gens en fait qui ont des problèmes, ils me demandent conseil et tout. Des gens qui veulent répondre, vous pouvez répondre et tout, mais c'est trop varié. Je peux pas m'attarder pendant une heure sur un problème dont les conditions peuvent être beaucoup de choses. Ça peut être un problème de pilote avec l'ordinateur, ça peut être que votre ordinateur est trop bourré, une mauvaise installation de Java, un truc mal optimisé, ça peut votre carte vidéo qui est pas compatible. Il y a tellement de raisons pourquoi que les shaders ne pourraient pas fonctionner. Il n'y a pas de trucage dans ma vidéo que je faisais l'installation des shaders. Je l'ai fait devant vous. Ce que j'ai fait dans la vidéo, ce n'était pas, on va dire, prévu en fait, dans le sens que j'ai vraiment remis ça à zéro, j'ai installé des trucs que j'avais été chercher et bam, ça fonctionne. Donc normalement, si vous faites la même chose, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ça peut être un tas d'autres raisons. Donc c'est malheureux, mais vous pouvez revenir. De toute façon, je vous avais expliqué faire un dossier backup et tout le truc. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas, recherchez un peu sur ma chaîne, mes amis. Vous pouvez trouver toutes sortes de choses. Sinon, tapez sur Google, YouTube. Il y a plein de tutoriels, il y a plein de trucs à aller prendre. C'est génial. Google et YouTube, c'est vos amis. Un peu d'autodidactitude, ça se dit même pas. Mais soyez un peu autodidacte. Vous allez voir, c'est super d'avoir ça dans la vie. Un très bon bagage. Ha! Steelers qui explique les moments de la vie. Bienvenue avec Steelers, le professeur. Nah. Donc, si l'épisode vous a plu, balancez un like. Détruisez le bouton like. Parlez-en à tout le monde. Abonnez-vous si c'est pas fait. Invitez tout le monde à vous abonner. Venez rejoindre la grande famille. Sinon, regardez dans la description. Il y a un paquet de trucs. Venez sur Periscope si vous voulez pas manquer mes petits lives que je fais une fois de temps à autre. Il n'y a rien de prévu. Hein? C'est comme ça. J'ai du temps. J'en fais un petit. Comme ce soir, j'en ai fait un tout petit. Juste pour parler avec vous et tout. Donc, regardez dans la description. Tout est là. Sinon, vous pouvez aller sur mon site web www.stellers.com, Facebook et Twitter. Je passe plein de trucs. Allez-y, tout est dans la description. Venez vous joindre à la famille. Allez, nous, on se revoit dans un prochain épisode qui va être dans deux semaines. Lundi, pas lundi prochain, mais dans l'autre lundi, en fait. Pour les gens, ça dépend si vous venez du futur. Normalement, vous ne verrez pas les vacances, mais pour ceux qui écoutent la vidéo pour aujourd'hui, alors vous allez me voir le 31. Normalement, le 31, c'est la prochaine vidéo qui va sortir, mais la semaine prochaine, je vais quand même poster des trucs sur Facebook, des petits sondages, et je vais quand même faire aussi un peu de Periscope. Alors, venez vous abonner, et on va pouvoir peut-être discuter
un peu pendant que je m'avance sur d'autres petits trucs. Allez, on se revoit dans un prochain épisode. Sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!